tous et bienvenue cette semaine sur ma chaîne, c'est la semaine de la prière. En fait j'ai eu cette idée lorsque j'ai fait il y a quelques semaines maintenant la vidéo War Room, que vous inquiétez pas, je vous la poste demain. Voilà, donc je préparais cette vidéo et je me suis dit mais pourquoi pas faire plusieurs vidéos sur le thème de la prière. Et du coup c'est ce que j'ai fait et donc je vais les poster cette semaine, comme ça ça sera la semaine de la prière sur ma chaîne. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos et c'est parti. Aujourd'hui on va parler de pourquoi prier tout simplement, et dans une prochaine vidéo vous aurez aussi comment prier et aussi des conseils sur comment prier, etc., sur la prière, voilà, de manière générale. Donc voilà ce que vous allez retrouver cette semaine. Donc aujourd'hui on va juste parler brièvement sur pourquoi prier. Donc déjà, prier, c'est parler avec Dieu. Et oui, donc c'est une conversation avec Dieu. Donc voilà, si vous êtes chrétien, vous voulez parler, communiquer avec Dieu, ben ça passe au moyen de la prière. Vous avez bien sûr lire votre Bible, prier. Et donc prier, c'est très important parce que c'est notre moyen vraiment de dialoguer avec Dieu, tout simplement. Donc Dieu veut une relation avec nous. Et donc prier, ça va être permettre cette relation avec Dieu afin de, comme je viens de l'expliquer, communiquer avec lui, voilà, tout simplement. Une autre raison que je pourrais vous donner, c'est l'exemple de Jésus, tout simplement. Quand vous lisez les évangiles, Jésus priait constamment. Vous avez plein de passages qui mentionnent que Jésus priait. Voilà, quand on est chrétien, on essaie de suivre l'exemple de Jésus. Donc si Jésus priait, pourquoi pas nous? Ensuite, une autre raison qui est assez bête, mais c'est tout simplement écrit dans la Bible. C'est écrit plein de fois, priez sans cesse, priez, priez, priez. Prier. Donc si c'est écrit dans la Bible, encore une fois, une autre raison, c'est que ça marche. Et oui, la prière, ça marche, c'est efficace. Si vous demandez, vous recevrez. Alors attention, les voix de Dieu ne sont pas les nôtres, et donc parfois Dieu répond d'une manière où on s'attendrait pas trop, mais la prière, ça permet de communiquer avec Dieu, ça marche. Et enfin, la prière, c'est une arme. C'est une arme puissante. C'est aussi écrit dans la Bible. Ça permet vraiment de lutter. Parce que oui, on est en guerre. Nous sommes des soldats. Et donc, la prière, c'est notre arme numéro un pour combattre. Donc, priez. Priez pour les autres. Priez pour votre entourage. Priez pour vos projets. Priez pour votre... tout. C'est vraiment votre arme numéro un. Donc voilà, c'était très bref, mais c'était un petit peu une introduction à cette semaine de prière. Donc je vous retrouve demain dans une autre vidéo sur la prière. Et donc ce sera cette fameuse vidéo attendue de War Room. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça demain. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas non plus à les partager. Je vous fais un bisou et je vous dis à demain. Ciao.